8 octobre, c'est date que autorité pas bon ici de bail pour que t'a capable renouveler marché qui chita col sous frontière d'Abon de façon officielle. C'est de ça que nous parlons pas la voir dans vidéo ça. Mais juste avant, nous pensons que c'est logique pour nous remercier. Merci pour tout encouragement et commentaire que toujours porte pour nous. Merci pour l'amour, pour la confiance qu'on fait nous. Pas oublier, nous c'est Ricky Haïti, plateforme que nous créons pour nous capables motiver, orienter et informer de tout ce qui va passer sur le territoire République Dominicaine qui concerne et dans cas ici. Ou même qui peut vous abonner, mais qui sont capables de faire ça. Pesez petit bouton rouge qui marque abonner ou bien subscribe là. Pesez petit cloche là qui est bon côté là. Et puis pesez tout pour capable toujours recevoir la vidéo nouvelle. Ok, on allez. Autorité dominicaine, ensemble avec autorité haïtienne, vous avez coordonné pour que vous capable permettre réouverture marché binational qui fait dans la province d'Abon entre commerçants dominicains ensemble avec commerçants haïtiens. Freddy Morlijo, c'est le président de la Fédération Commerçants Unis dans Dabon. Dans l'interview que le débat avec la presse parle et écrit, il était informé qu'un pile tentative a fait pour réouverture marché ça qui est programmé pour 8 octobre qui va venir. Elle t'a expliqué que l'échange commercial qui est fait était réalisé lundi, mercredi et vendredi avant que le coronavirus mette pied dans le pays. Et automatiquement, qui ont réouvert le marché, après un changement qui a fait. Le marché a fonctionné mardi, jeudi et samedi. Et l'idée tout fait connaître que dans la première étape de réouverture du marché, il y a seulement accès pour que les vendeurs d'Abon soient capables de vendre avec rentrer commerçants haïtiens pour qu'ils soient capables de venir acheter. Et il était signalé que il a utilisé thermomètre pour qu'ils soient capables de prendre la température des gens qui viennent dans le marché. Il a installé plusieurs robinets d'eau avec savon pour utiliser les gens qui viennent et les gens qui viennent acheter. Et il était tout fait connaître qu'ils ont augmenté la quantité de sécurité qui compte dans le marché et l'utilisation de masques obligatoires. Et pour ça qui gagne avec contrôle sanitaire, a bien superviseur ministère santé cap là pendant tout moment. Freddy Morlijo t'a tout fait connaître que dans la première étape réouverture du marché, il a absolument commencé à vendre produits comestibles. Et il t'a fait connaître que le marché ça a été fermé 19 mars dans l'année ça pour que t'a capable éviter propagation coronavirus. Et marché ça c'est principal fond de rentrée presque tout le monde qui est dans la province d'Abon. Et dans chaque jour marché, il entre environ 20 millions de personnes. Là, on a parlé de environ 60 millions de personnes qui bougent, qui brassent, qui virent son seul frontière pendant une semaine ou bien 3 jours, si nous avons plus précis, dans un seul marché. Dominicains reconnaissent que les Haïtiens sont une grosse source de financement que les pour eux. Même pas, je me suis posé cette question. Si Dominicains reconnaissent que les Haïtiens jouent un gros rôle dans le financement, dans l'économie, qui est l'État haïtien à reconnaître? Ou soit, si vous reconnaissez déjà, qui leur pose une action positive qui est capable de jouer en faveur du peuple haïtien? Parce qu'une page, je me suis posé cette question. Est-ce que cause des déportations, manifestations, marches contre Haïtiens par Boïsite, pas arriver dans les oreilles autorités en Haïti? Ou soit, si vous arrivez, qui leur pose une action diplomatique qui est capable de jouer en faveur nous-mêmes qui vivent dans ces domaines? En tout cas, en parlant d'immigration, nous t'aimons qu'on quitte dans les commentaires pour nous. Est-ce que vous avez un bon accueil ou autorité, quand vous passez pour le travail ou bien régler n'importe activité? Est-ce qu'on a immigration dans la rue? Est-ce qu'on a immigration continue à pas agir pour chien fou chercher haïtien illégal pour déporter? Parce que dans la cause d'immigration, ça plusieurs organisations ont ouvert bouche, fait un pile promesse, demandé immigration pour camper, mais aucune réponse définitive pour le cobaye. Donc, dis dans les commentaires, est-ce qu'on a immigration toujours dans la rue? Surtout dans une zone tant que 9, Doualté, avec un pile d'autres zones que immigration pas jamais négligé passer pour chercher haïtien illégal pour qu'on soit capable de déporter. En tout cas, c'est tout ça que nous avons pour en termes de vidéo pour aujourd'hui. Pas oublier que vous avez commencé cette vidéo. Vous avez programmé pour réouvrir le marché d'Abon 8 octobre Cap venir. Si vous avez des parents ou des amis qui viennent acheter pour aller revendre, dites ça 8 octobre. Et pas oublier, le marché va fonctionner qu'on y a mardi, jeudi et samedi, 3 jours dans la semaine. Namjou, merci pour tout ce que vous avez pour cette vidéo. Merci pour la confiance que vous faites nous. Merci pour tous les belles commentaires que vous toujours pour nous. Pas oublier, nous sommes Chanel Paula, nous sommes plateforme Paula, Ricky Haïti, l'homme qu'il faut, la place qu'il faut, vivre para servir.
Je vous dis rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et déjà, bon mois d'octobre avec Bon Dieu. Nous aimons en pile. À la prochaine.